Spurs on the track. M'appeler avec insistant comme si c'est Jésus, qu'est-ce qui m'attendait? J'ai envie qu'on cause, viens s'il te plaît. Fais ta sonne. Tu sais que moi je n'aime pas souvent le bruit, n'est-ce pas? Quand tu me vois déjà t'appeler comme ça, c'est que c'est un problème très très sérieux. Le problème la concerne ton ami. Le lion du Mbam là. Il a quel problème? Ton ami là, tu sais que je t'avais d'abord dit les choses que ton ami me faisait ici. Je t'ai déjà parlé de toi parce que quand je te parle, tu penses peut-être que je fais la jalousie, que je ne veux pas que tu marches avec tes amis, que je veux te séparer de tes amis. D'abord que je t'avais dit comment ce garçon t'a saboté auprès de moi. Allez, ça parle de tout le monde, mais pas le lion du Mbam quand même. Est-ce que je le connais aujourd'hui là? Il faut souvent m'arrêter, c'est comment même? Mais prends d'abord la peine de m'écouter. Prends la peine d'écouter ce que j'ai envie de te dire. Donc tu mais penses que tu penses que moi je peux te mentir sur quelque chose, sur ton ami. Je vais te séparer de ton ami que je gagne quoi dedans? Hein? Il savait très bien que je suis ta femme, mais par derrière il vient me draguer en te sabotant. Il faut souvent arrêter ça. Je n'aime pas les blagues de mauvaise. En tout cas, c'est même pas là où je vais en venir. C'est même pas là où je vais en venir. Il y a même un sérieux problème là-dedans. Il y a un sérieux problème. C'est quoi encore? Apparemment, ton ami là a trouvé que c'est ta maison qui est sa pépinière. Ma petite soeur qui est arrivée ici. Ça fait 6 mois que Julie est ici. Oui. Est-ce que tu sais que Julie est enceinte? Julie est enceinte. Attends. Elle est enceinte de ton ami, le lion du Mbam. Julie est où? Elle est enceinte de 3 mois et c'est ton ami qui l'a enceintée. Comme ici, c'est sa pépinière, il vient trouver toutes les femmes que ton ami cherche, c'est seulement ici. Maintenant, il m'a laissé pour aller maintenant prendre ma petite soeur. Attends, c'est elle qui t'a dit que c'est le lion du Mbam, mon meilleur ami qui l'a enceinte, ou bien si c'est que toi tu devines? Tiens, qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Appelle un peu Julie. Appelle un peu Julie. Julia! Prends la chaise, tu viens t'asseoir ici. Tout le monde parle au lion du Mbam. Tout le monde parle au lion du Mbam. Quand même si c'est pourquoi tu défends ton lion du Mbam, tu vas me dire la vérité sur mon café là. Oui. Tu vas me dire. Tu vas t'asseoir là-bas, pourquoi? Maintenant tu marches comme si, comme la tortue. Comme tu dis souvent pour aller chercher le lion du Mbam là. Elle est enceinte. Tu vois son blouson, c'est pour cacher la grossesse. Elle est enceinte de 3 mois. Julie, 6 mois que l'enfant est ici. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle est en train de dire? Pardon? L'enfant dit qu'elle n'est pas enceinte. Oh, Julie, Bagato aussi. Julie, tu n'es pas enceinte. Oh. Tu veux que je sorte le canet? Toi, moi, on n'était pas à l'hôpital. Tu dis à ton homme que tu n'es pas enceinte. C'est pas la sorcellerie que tu fais. Tu es enceinte ou bien tu n'es pas enceinte? Je suis enceinte. Bang, bang, bang. Tu es enceinte de qui? Comme c'est ma tête que vous tu es enceinte de qui? Et c'est ici chez moi que tu as vu pour venir porter la grossesse. Dis-moi tout, mais ne me dis pas quand même que c'est de mon ami, le lion du Mbam. Ton ami qui vient souvent ici. Jesus.
C'est depuis quand? Maman, elle t'a dit que ça fait 3 mois. La relation a commencé depuis quand? La grossesse quand? À 3 mois. Qui devait me donner l'argent pour les habits de fête. Qui devait te donner l'argent pour les habits de fête. Parce que de toute ta vie, tu n'as jamais eu les habits de fête. C'est le lion du Mbam qui t'habite déjà Didier, maintenant. On ne te donne pas quoi ici, Julie? Qu'est-ce qu'on l'ami te donne de mon ici? Mari qui vient t'enceinter. Quel... Les gens vont dire quoi? Non, défends-la encore. Défends ton ami. Je comprends maintenant pourquoi je l'appelle depuis. Il m'esquive, il ne décroche plus mes appels. Je pars chez lui, tantôt il n'est pas là, tantôt il envoie, je ne comprends pas. Donc c'est vrai. Si je l'appelle même pour mettre ces choses au clair, il ne va pas décrocher. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Est-ce que c'est mieux? Ça, c'est pas mieux que lui-même, elle l'appelle. Elle appelle pourquoi? Non, parce que si je l'appelle, il ne va pas décrocher. C'est toi qui dois l'appeler, c'est ton ami. Il ne va pas décrocher. Il va décrocher, ça appelle-le. Ça peut peut-être deux mois comme ouais, ça, qu'il appelle, il ne décroche pas. Appelle-le, il va décrocher. Appelle-le. Tu vas essayer toi-même, tu vas voir. Ça sonne, mais ne décroche pas. Insiste. Moi, je le connais, c'est pas aujourd'hui qu'il l'appelle. Tu le connais. Mais toi, tu disais que ton ami ne peut pas faire ça. Maintenant, tu le connais. Attends, maintenant, tu le connais. Essayer de l'appeler. Je dis à Julie. Appelle ton chéri. Ça a commencé comment? Pour que oui, jusqu'à poule, tu puisses arriver à ce niveau-là. Ça a commencé comment? Parle fort, sans la voix. Non, non. Un jour, tante m'avait envoyé écraser les oranges. Et j'ai d'après, il m'a dit que il m'a acheté le bonbon. Il a dit que comme on n'a pas les images de violence, je ne peux pas te regarder chez lui. Et j'ai dit que comme c'est ton ami, je suis parti regarder la télé chez lui. Après, il a commencé à me donner les chocolats et les bonbons. Il a dit... Parle fort, c'est comme ça que tu parles souvent. Il a commencé à me donner les bonbons et les chocolats. Il a dit qu'il n'a pas vous dit. C'est comme ça qu'il pétait souvent constamment chez lui. Comme tu aimes la nourriture là. C'est vrai ce qu'on dit. Que ce sont tes propositions qui fait suite à ta chute. Il a commencé à me donner les bonbons et les chocolats. Parce que tu n'as jamais mangé ça de ta vie. À cause du bonbon et du chocolat. Qu'est-ce qui te manque ici? Tu es enceinte, tu vas aller au village. C'est pas chez moi que tu vas accoucher. Tu sais, appelle ton gars. Je souffre d'abord, il vient encore me garder tes enfants. Prends le téléphone, tu l'appelles. Mets le haut-parleur. Quelle est cette histoire, ma mère? Mon meilleur ami vient enceinte la petite soeur, ma fille. Mais le haut-parleur. Allô? Oui. Je suis enceinte. Donne-moi le téléphone là. Donne le téléphone là. Donne-moi le téléphone. Allô? Mais donc c'est vrai. Donc c'est vrai ce qu'on dit que c'est tes propres orteils qui pressent ta chaussure. Hé, mon frère, moi j'ai été pris comme mon frère, je ne sais même pas. Donc c'est toi qui me fais ça. Donc tout ce que ma femme me racontait, je ne prenais pas ça au sérieux. Donc elle disait la vérité.
Merci, 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 merci. Je te remercie. Et te... Tu entends, non? Voilà. C'est que toi, tu me dis. Comme nous sommes pauvres, il prend qui il veut. Ma relation a failli se gâter avec ma femme à cause de toi, parce qu'elle prenait tout ton devant, que non, c'est ma femme qui veut nous séparer. Mais donc, c'est vrai ce qu'elle me dit. Elle dit que nous sommes pauvres. Avec ta lèvre, regarde même ton soi-disant gars que tu peux aimer. Regarde-moi quelqu'un. C'est vraiment chéri. Pardon. Va prendre ton ami. Non, c'est pas quand tu vas me séparer. Non, va prendre ton ami. Parce que quand je te parlais, si tu disais que mon ami ne peut pas. Maintenant, va donc rester avec ton ami. Tu vas prendre ton ami. Tu sais ce qu'il me dit. Toi-même, tu vas venir m'accoucher que j'ai d'enfants ici. Tu as même vu ton soi-disant enceinte là. Tu as vu sa tête. Votre enfant va ressembler à quoi? C'est que honte ça. À peine 6 mois que je te mets ici en ville. À peine 6 mois. C'est les enfants qui sont noirs comme le charbon que tu vas venir m'accoucher ici là. Parce que si je vois bien, lui t'a demandé d'enlever ça. Et c'est chez moi que tu vas avoir. Elle devait mettre aussi sur le sel dans l'eau. Tu vas aller chez lui. Elle devait mettre le sel dans l'eau. Désormais, c'est ton mari. Vous avez les potions. À partir d'aujourd'hui. Vos potions là. Hein? Tu vas porter tes choses, tu vas rester là-bas. Son sac. Je fais son sac. Tu vas aller rester là-bas. Tu vas bien manger les bonbons et les chocolats là. Tu vas aller manger ça. Comme c'est ça qu'on ne te donne pas ici. Tu vas aller manger ça là-bas. Avec ton enfant. En plus, nous sommes pauvres. Allons, moi-même, je vais te dire après son sac. Tu restes là. Moi-même, je vais t'aider à faire son sac. Tu vas partir. Je fais son sac. Elle vient partir.